Pour débuter donc la première édition des ADSE Act, on va accueillir le CEP Lamartassière, qui va nous présenter son action Voyage à l'étranger, parce que le banal d'hier devient l'extraordinaire de demain. Alors, merci de me rejoindre. Je vais appeler Léa Tricoire, qui est éducatrice, Benjamin Sicolella, éducateur, et les jeunes, Carlos, Thomas et Valentin. Bonjour à tous. Alors, nous, on vient vous parler de quelque chose d'un petit peu remarquable, dont nous sommes très fiers, les séjours à l'étranger. Voilà. On en a organisé au CEP Lamartassière un certain nombre. Les jeunes sont partis, oui, à tous, si jamais c'est trop rapide, n'hésitez pas à le dire. Hein. Et par contre, si vous m'en dévoilez un peu. Donc on est parti. La télécommande, si vous voulez faire défiler. Ah oui. Et nous, on va vous présenter un séjour, le séjour à Berlin. Je n'y ai pas participé, ma collègue vous en parlera après via le diaporama. Et ensuite, on reviendra un petit peu sur un séjour auquel j'ai participé à Lisbonne. Parmi les autres séjours qu'on a pu organiser, il y a Barcelone, Londres, ça fait rêver, hein. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Barcelone, Londres, voilà. Bon, après, les classiques, en France, Paris, voilà, les séjours au ski et compagnie. Peut-être parler déjà de manière générale de l'organisation, du comment s'organise, se planifie le camp. Alors rapidement, parce que c'est loin d'être rapide, mais grosso modo, ben, un petit peu comme ça pourrait se passer en famille. Donc l'idée émerge de l'équipe, des jeunes, où est-ce que vous aimeriez partir, qu'est-ce que vous aimeriez voir. On monte un projet qu'on soumet à notre direction. Il y a un temps pour la commission où la commission regarde le budget, regarde ce qu'on compte faire, est-ce qu'il ne s'agit pas que de plages, de cocktails, d'activités, tout ce que ça peut apporter par la suite. Dis-moi si je vous dis des choses. La commission, une fois que c'est validé par la commission, on se dépêche, on prend les billets. Soit billet d'avion, soit tout ce qui est logistique pour partir en trafic, enfin en véhicule, tout le monde est au clair. Voilà. Tout ce qui est partie administrative avec la santé, les cartes les cartes européennes pour les soins, tout ça. L'administratif, les autorisations parentales, les autorisations auprès des MSD, des éducateurs extérieurs. Voilà grosso modo dans l'idée. Je crois que j'ai un billet, de toute façon on pourra y revenir. Je cède la parole à ma collègue Léa, qui va vous aider, qui vont pouvoir vous parler de Berlin. Donc bonjour. Moi j'ai fait partie du projet pour Berlin, ainsi que les trois jeunes présents. C'était avant tout un projet essentiellement culturel et aussi historique, puisqu'ils sont en passation de CAP, donc c'était aussi intéressant de travailler l'histoire sous cette forme-là, qui était beaucoup plus parlant. Donc on a pu visiter pas mal d'endroits, ici par exemple, il y a un lieu dédié aux Juifs, donc chargé d'histoire, chargé d'émotion. En souterrain, vous avez un musée qui raconte toute cette histoire avec témoignages à l'appui. Après, il y a des moments beaucoup plus de détente, comme par exemple la découverte du métro. On n'a pas, le train, mais le métro souterrain, on n'a pas spécialement l'habitude de le prendre. Et comme vous pouvez le voir, il fait froid. Ça va. C'est là ici ? Non, en haut, non. Ah, ok. Donc, après
la porte de Brandebourg. Je ne sais pas, enfin, je ne vais pas vous parler du touristique de Berlin, mais en tout cas, ce sont des lieux qui sont parlants et qui ont suscité l'intérêt et la curiosité de nos jeunes. Notamment donc, ici, puisque ce sont les pans de mur du mur de Berlin, du Berlin restant, exposé, avec toute la chronologie d'histoire et ce qui a pu, enfin, tout ce qui s'est joué à cette période-là. La découverte culinaire, puisqu'en Allemagne, on ne mange pas la même chose, chose aussi étrange pour eux, mais on dit. On a mangé un kebab, par exemple, qui n'était pas spécialement à leur goût, parce que ce n'était pas dans leur goût, dans leurs habitudes, et le kebab habituel qu'ils mangeaient dans leur ville. Donc une découverte supplémentaire. Oui, se confronter à la langue, tout ce qui rejoint des pays étrangers, hein, se confronter à la langue, à la culture, au mode de vie, c'est quelque chose. Enfin, en tout cas, à Berlin, c'est très particulier. Vous voyez beaucoup de personnes se balader avec une bouteille de bière en verre. C'est quelque chose qui est commun et ça a beaucoup, beaucoup perturbé nos jeunes. Ils ont posé beaucoup de questions à ce sujet-là. Ici, c'est une œuvre d'un artiste qui a voulu retracer la période du mur. Donc voilà, ils sont restés un certain temps aussi à l'intérieur de cette œuvre, c'est en intérieur, et parler beaucoup de questionnements et sont émergés. Enfin, c'est un échange vraiment très, très intéressant, ça les a ouverts, ils ont découvert autre chose, c'était enrichissant, vraiment. Donc bien sûr, ici, je ne sais pas si ça parle, c'est la Italie. C'est le reste du mur de Berlin qui a été repris par des artistes. Aussi notamment, bien sûr, la culture au sens fort du terme, puisqu'on est allé voir dans un pub purement allemand. Et la visite de cette tour de la télé qui a suscité beaucoup d'angoisse pour tout le monde. C'est une tour donc, qui monte à 368 mètres et on peut y accéder jusqu'à 207 mètres par un ascenseur qui fait 200 mètres en 40 secondes. C'est impressionnant, c'est étroit. Tous ont été paniqués, moi aussi. Ils vont tous regarder, mais là, on ne va pas monter là-dedans, c'est pas possible. Si, si, on a fait tout le tour, on devait voir un verre à l'intérieur, mais on n'a pas insisté. On a eu le jeu de panorama et on a descendu. Ça, c'est rapport à l'heure que je vous ai expliqué tout à l'heure par rapport au mur de Berlin. Avec vidéo. J'ai l'impression de faire un petit peu de touristique du coup, mais Berlin, on sait tous, c'est chargé d'histoire et c'est vrai que tous les lieux que nous avons visités et raconter quelque chose, ce qui est du coup très intéressant et symbolique aussi. Et l'avantage, c'est que ma collègue Caroline, qui est à la présence, était allemande, ça nous a beaucoup aidé au niveau de la langue. Je vais repasser la parole à ma collègue qui va vous parler de Lisbonne. Vous avez des choses à. Non, ça c'est pas pour la fin. Peut-être plus par une question spontanément. Voilà pour Berlin, un séjour qui s'est très très bien passé. Ce qu'on retient généralement de tous les séjours, c'est que dans tous les cas, que ce soit pour les jeunes ou pour les adultes, c'est très très riche, il se passe plein de choses
Mais on le dit souvent, c'est décuplé en fait. C'est un peu comme les télé-réalités, là, on les entend quand il va sortir et dire qu'il vit des choses comme mille. Ben là, c'est pareil. Dans le bon sens comme dans le mauvais, c'est décuplé. Mais il se passe plein de choses en retour au quotidien. C'est vraiment un enrichissement. Là, ben, moi, ça me paraît évident. Donc, je sais pas, on verra peut-être après avec les questions, il y aura peut-être d'autres choses qui ressortiront. Maintenant, on va parler un tout petit peu de Lisbonne. Parce que Lisbonne, c'est un camp qui, concrètement, ne s'est pas très très bien passé. On va passer à des 10 ans, mais dès l'avion, dès le vol, il y a un de nos jeunes qui a fumé dans l'avion, dans la cabine de toilette. Donc ça nous a mis dans le bain quand le steward arrive en disant « j'ai être responsable ». Voilà, donc gros retard sur le tarmac. On est arrivé, je crois, avec 4 heures de retard à Lisbonne. L'atterrissage était déjà prévu à 21h, donc on s'est couché à 5h du matin la première nuit. Évidemment, ça a engendré des frais de taxi qui n'étaient pas prévus, puisque en arrivant à Lisbonne, à l'aéroport, ben, plus de navettes, plus de métro. On a dû prendre 3 taxis pour transporter tout le monde. Voilà, plein de petites choses pas prévues. Et évidemment, nous, l'équipe a bien gavé, bien agacé. La deuxième nuit, 3h du matin, boum, vos jeunes sont en train de courir dans Lisbonne. Ah bah attendez, j'en ai mon pyjama, j'y vais. Toujours en contact évidemment avec la chef de service d'astreinte en France. Mais c'est particulier quand on est dans sa petite chambre de l'auberge de jeunesse et qu'on se dit « bon allez, ça y est, il est 1h30, ils sont tous en train de dormir, non, ça cavale dans les rues, eh ben allez ». Et ça, en fait, la fatigue accumulée, ça a été très très compliqué. Je crois qu'on a eu, enfin c'est pas je crois, je suis sûre, on a eu du vol à décalage, on a eu, on a, du moins, les garçons, la première concernée. Vous allez retourner les lits. Oui, voilà, bah, évidemment, l'acte éducatif à Lisbonne ou en France, c'est la même chose. Donc, ok, 3h du matin, vous ne voulez pas dormir, ben on va vous aider. On a retourné les lits, tous les lits dans les chambres. Voilà, je suis montrer notre mécontentement. Sauf qu'on est coincé, on est à Lisbonne et c'est compliqué. On pense ce que la dernière passée avec nos petites habitudes. Voilà, moi, à titre personnel, je sais que je n'ai pas participé à une belle activité dont tout le monde avait envie, c'était la journée envoyée, parce que je suis restée avec un malade, un fugueur qui s'est découché à pas d'heure, avec les punis, quoi. C'est le jeu. Voilà. Donc, tous les séjours ne se passent pas de manière formidable. Ah oui, et puis un petit éclatage d'orteil de retour en France. Bon, voilà. Mais quoi qu'il arrive, on signe et on recommence tout de suite, quoi. Voilà, c'est ça qu'on retient vraiment, vraiment. Voilà. Je pense qu'on peut conclure là-dessus pour dire que vraiment, si on parle d'action du projet remarquable, pour nous c'est remarquable, on en est vachement fiers. Et je pense que les jeunes seront à même de vous le dire tout de suite. De manière générale, est-ce que vous avez aimé ce que vous avez mangé là-bas? Est-ce que ça vous a plu? Et est-ce que ça vous a donné envie de voyager? Franchement, on a bien aimé le voyage. Franchement, c'est bien amusé. La bouffe est... Où on mange, la nourriture qu'on mange là-bas, c'est pas vraiment la même. Ça change un peu de tout ce qui se passe ici. Franchement, ouais. Moi, personnellement, pas certains trucs que j'ai pas aimé parce que je suis cuisinier, donc je suis un peu difficile. Et du coup, ça nous a fait permettre de connaître autre chose, des goûts différents, et comme des goûts un peu particuliers. Et sur ça, on a voyagé, et j'ai été en Allemagne pour visiter et visiter d'autres, comme Londres, d'autres pays. J'ai une question. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans ce que vous avez vu à Berlin? Si vous devez retenir une chose, ça serait laquelle?
quelque chose qui vous a marqué, quelque chose qui vous a, épaté. Étonné. Peut-être ce qui vous a le plus plu, qu'est-ce qui vous a, vraiment enthousiasmé à Berlin? D'avoir vu le mur de Berlin. Pour moi, c'était le Checkpoint Charlie avec plein d'émotions, d'images du passé. Moi, franchement, j'ai bien aimé le mur de Berlin aussi, et plus le barrage, je faisais penser à un peu barrage, pratiquement. Le barrage de... entre le... ouais, la frontière entre Berlin... voilà, voilà, le checkpoint challenge. Il y a combien de jeunes? Pour Berlin. Pour Berlin, en fait, on était 4 jeunes et 2 éducateurs. 7 jeunes et 3 éducateurs. Tu as duré 6 jours peut-être? Tu as parti pour Berlin? À Berlin, on était parti 3 jours, je crois. Non, une semaine. Et pour Portugal, non, on est 3-4 jours pour Portugal. 5 jours. Ouais, 5 jours. Est-ce que c'est pas gênant de parler allemand en Allemagne? C'est vrai que c'est un peu chaud, mais comme on avait une éducatrice qui était allemande, on a eu beaucoup de difficultés. Et à Lisbonne, on a pas portugais. Est-ce que c'est pas gênant de parler portugais au Portugal? Ouais. Ah, les voyages. C'est pas la jeunesse. Encore une question?